Salut les enfants de la grande section. Aujourd'hui, nous allons reconnaître une nouvelle lettre. C'est la lettre C. Allez-y les enfants. Le matériel dont on a besoin est le manuel, le cahier d'activité 2, un crayon à mine et des crayons de couleur. Prenez une place confortable dans votre maison et allez-y les enfants. Dans la partie 1, on va faire une révision rapide de la lettre D. On va reconnaître le son Q et on va appliquer les exercices de la page 16. C'est quel son et c'est quelle lettre? Ouvrez les oreilles pour reconnaître. Dépanneuse, départ, dessin, diamant, dictionnaire, dinosaure, direction. Quels sons se répètent dans ces mots-là? Bravo les enfants, c'est la lettre D, le son D. Et maintenant, nous allons faire la connaissance d'une nouvelle lettre. Allez-y, au revoir la lettre D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et maintenant je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Encore une fois, vous chantez avec moi ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant les enfants, on va écouter une comptine. Alors, ouvrez les oreilles et écoutez bien. Quel son va se répéter? Vous allez deviner et me dire à la fin. Alors, je commence. Coin, 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 dit le canard. Cui, 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 dit le canari. Cou, 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 répond le coucou. Encore une fois, coin, 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 dit le canard, cui, 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 dit le canari, cou, 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 répond le coucou. Très bien les enfants, c'est le son Q. Bravo. Vous voulez jouer avec moi les enfants? Allez-y, je dis super si j'entends le son Q. Je dis « oh là là » si je n'entends pas le son « q ». Le premier dessin, qu'est-ce que vous voyez? Très bien, c'est un poisson. Qu'est-ce que je dis? Oh là là, très bien, parce qu'il n'y a pas le son « q ». Le deuxième dessin, qu'est-ce que vous voyez? Très bien, c'est un coq. Est-ce que j'entends le son « q » ? Super, très bien. Le troisième dessin, canard, très bien, super. Le quatrième dessin, crabe, super, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a ici à côté du crabe? Cactus, cactus, super. Et à la fin, des bonbons, bonbons. Est-ce qu'il y a le son Q? Oh là là, bravo les enfants, vous avez très bien joué. Répétez-le encore une fois tout seul à la maison. Et maintenant, ouvrez votre manuel à la page 73. Je trouve des mots avec le son Q. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien, une fille
qui joue à la plage. Bravo. On va chercher des mots avec le son que. Premièrement, qu'est-ce que vous voyez? Hélicoptère, très bien. Ensuite, avec le son que. Crabe, bravo les enfants. Canard, très bien. Et à côté du canard, cuillère, très bien les enfants. Et à côté de la cuillère, qu'est-ce qu'il y a? Des cartes, très bien. Coquillage, bravo les enfants, avec le son K. Est-ce qu'il y a encore? Oui, une corde. Excellent les enfants, vous avez très bien joué. Bravo les enfants. Après avoir trouvé des mots avec le son K, ouvrez votre cahier d'activité 2 à la page 16. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez le pictogramme. Très bien, coloris. Alors, coloris les dessins quand tu entends le son K. Premièrement, on va nommer les dessins. Ensuite, on va choisir qu'est-ce qu'on va dessiner. Le dessin numéro 1. Gomme. Requin. Carotte. Gâteau. 4. Crayon. Glace. Grenouille. Coffre. Canard. Caillou. Cerise. Bravo les enfants. Alors, dans le premier dessin, gomme, est-ce que j'entends le son que? Je colorie ou non? Non, très bien. Dans le deuxième dessin, requin, est-ce que je colorie? Très bien, je colorie requin. Moi, j'ai entouré et vous, vous allez continuer à colorier quand vous entendez le son que. Après l'exercice numéro 1, on va continuer sur le cahier d'activité, page 16, le numéro 2. Alors, on va cocher la case qui correspond à la syllabe où j'entends le son que. Alors, je répète la question. Coche la case qui correspond à la syllabe où tu entends le son « que ». Vous voyez le pictogramme, les enfants? Très bien, c'est le pictogramme « coché ». Je coche. Premièrement, il faut nommer les noms des dessins. Allez-y. 1, 2, 3. Canari. Carotte. Requin. Kangourou. Anorak. Cartable. Coffre. Crayon. Bravo les enfants. Dans le premier dessin, où j'entends le son que? Canari. Très bien les enfants, bravo. Dans la première case. Et maintenant, c'est votre tour à continuer l'exercice. Aujourd'hui, nous avons appris le son que, comme dans le mot coquillage. À bientôt les enfants.